À 15 ans et 57 jours, il devient le plus jeune joueur de l'histoire à porter le maillot espagnol. Lui, c'est Lamine Yamal. Le jeune prodige a inscrit son premier but en sélection le 8 septembre dernier lors de la victoire 7-1 contre la Géorgie. Déjà titulaire au Barça, la jeune pépite est déjà comparée à Lionel Messi. Cependant, Xavi opte pour la prudence et le gère d'une manière particulière pour ne pas trop l'exposer. A noter que le jeune crack a fermé les portes à la sélection marocaine, un choix qui a fait couler beaucoup d'encre. Le concerné assume totalement son choix et a déclaré « J'ai toujours joué avec la sélection espagnole depuis les moins de 15 ans. J'ai toujours été clair, je veux jouer pour l'Espagne, gagner l'Euro, une Coupe du Monde et tout ce que je peux. » Une déclaration qui n'est pas de l'avis du journaliste espagnol Sanchez, connu pour ses coups de gueule et qui a lancé « Lamine Yamal n'a rien fait pour mériter d'aller en sélection. » Désormais, Lamine Yamal peut tenter de battre le record du but le plus précoce de la Ligue des Champions, détenu par Ansu Fati qui avait fait trembler les filets à l'âge de 17 ans et 40 jours en 2019. Et pour toi, le jeune espagnol arrivera-t-il à battre ce record ?